On entend parfois dire que pour une once d'or dans les coffres des ETF, il en existe 500 en parts d'ETF. Info ou intox? En termes plus clairs, les ETF or sont-ils vraiment une arnaque? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau coup de projecteur. Le domaine de l'or fait l'objet de nombreuses idées fausses, et en particulier les ETF or. Dans cette vidéo, je fais la lumière sur les ETF or pour que vous compreniez s'ils peuvent être intéressants pour vous, et dans quels objectifs? Si l'investissement dans l'or vous intéresse, vous savez sans doute que les ETF or sont des fonds négociés en bourse qui permettent d'investir dans l'or. Ce qu'on dit sur les ETF, lesquels contiendraient 500 fois moins d'or que leur valeur en bourse, est-il vrai? Et ce n'est pas un détail, parce que si c'est vrai, ça veut vraiment dire que les ETF or sont une arnaque. Eh bien, voyons les choses de plus près. Le ratio de 500 fois plus d'or papier que d'or en stock existe bel et bien, mais il concerne le marché des contrats futurs. Alors, deux mots sur les futurs. Les futurs, comme les ETF, font partie de la famille de l'or papier. En l'occurrence, ce sont des véhicules spéculatifs qui n'ont rien à voir avec les ETF or. Donc, exit l'histoire des 500 fois plus de papier que d'or quand on s'intéresse aux ETF or. Voilà qui est rassurant. Pour autant, ce n'est pas parfait. On va le voir dans la partie suivante. On va mettre le focus sur les ETF or à proprement parler. Pour rappel, les ETF sont des fonds d'investissement comme ceux sur lesquels nous investissons depuis des décennies, mais ils ont deux particularités. Être cotés en bourse, ce qui n'est pas le cas des autres types de fonds, et répliquer un indice boursier. Il existe des ETF or, qui font partie de ce qu'on appelle les ETF matières premières, qui eux fonctionnent un petit peu différemment que les ETF de type actions ou obligations, puisque ce qu'on appelle leur sous-jacent n'est pas quelque chose de dématérialisé comme les actions ou les obligations, c'est quelque chose de physique. Et on va voir les conséquences que ça a. Donc il existe des ETF or qui achètent et détiennent de l'or dans des coffres spécialisés. C'est ce qu'on appelle des ETF à réplication physique. C'est-à-dire, ce sont des ETF qui obéissent à un principe de bon sens qui veut que lorsqu'on prétend répliquer en l'occurrence les cours de l'or, donc les cours de matière première, ben le mieux c'est d'acheter cette matière première, de la stocker, et bien évidemment, l'évolution de la valeur de ce patrimoine suivra exactement l'évolution des cours de la matière première, et donc l'évolution des parts qu'il y a dans l'ETF suivra exactement l'évolution de ces cours. L'investisseur dans un ETF or, à réplication physique, est donc propriétaire d'une fraction de cet or. Mais il existe aussi des ETF qui ne détiennent pas d'or. Et oui, c'est la magie de la sémantique boursière ou financière, surtout financière. Pour deux raisons, il y a deux types d'ETF qui ne détiennent pas d'or. Parfois, l'ETF est ce qu'on appelle synthétique, c'est-à-dire à réplication synthétique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ETF à réplication synthétique? Eh bien, c'est un ETF qui, pour reproduire l'évolution des cours de l'or, ce qui est la fonction d'un ETF or, va utiliser, on va dire, un artifice financier, c'est-à-dire que le fonds, lui, ne sera pas investi dans l'or, mais sera investi dans des actions et des obligations solides, donc ça sera un fonds solide, et la réplication des cours de l'or se fait par un contrat d'échange de la performance de ce fonds, ce contrat s'appelle un swap, avec la performance de l'or. Alors, ben, qui c'est qui va fournir la performance de l'or en échange de la performance de ce fonds? Eh bien, ça sera en général une institution financière, ben, typiquement une banque. Voilà ce que c'est qu'un ETF or à réplication synthétique. Donc vous voyez, il n'y a pas d'or. Mais il y a encore plus pervers. Donc, pervers est un peu excessif, mais on va dire qu'il y a encore plus éloigné du bon sens, qui consisterait simplement à avoir des stocks d'or. Parfois, ce qu'on appelle l'ETF or est en réalité un ETN. Alors, pour rappel, l'ETF, ça voulait dire Exchange Trade Fund. L'ETN, c'est Exchange Trade Note. Le note, donc, c'est pas fund. Le note, c'est un document, hein, c'est un contrat. Et en l'occurrence, donc, l'ETN ne contient pas d'or, mais l'ETN est une créance sur un fonds qui détient de l'or. C'est ça que veut dire note. Donc, quand l'investisseur qui a mis son argent dans un ETN détient simplement une créance, enfin une part d'une créance. Alors il faut dire tout de suite que ben, les ETN, ça marche très bien.
les ETF à réplication synthétique également. Maintenant, on devine que si on pousse les systèmes au bout du bout, donc au bout de leur potentiel, et ça c'est ce qui se produit en situation de crise, si on a investi dans un ETF à réplication physique, il y a des chances sérieuses pour que effectivement on ait, si on le souhaite, la possibilité d'avoir vraiment de l'or. Si on a investi dans un ETF, bon, qui est quelque part un produit dérivé, qu'il s'agisse d'un ETF à réplication synthétique ou d'un ETN, ben, c'est moins évident. On va voir ça de plus près. Donc c'est le résumé que je vais vous faire, et pour ça, je vais aller un petit peu plus loin, ou plutôt aborder la question du stockage de l'or dans les ETF or, et les conséquences que ça a pour les investisseurs. Quand on achète de l'or, ben, on a deux objectifs principaux. Soit on veut bénéficier dans certains environnements économiques de la résistance de l'or ou de son effet de balancier par rapport à d'autres actifs. Autrement dit, on veut que quand tout baisse, pour faire simple, détenir de l'or parce que lui ne baissera pas. Et quand je dis détenir de l'or, c'est en tout cas être propriétaire quelque part ou d'or ou de quelque chose qui représente de l'or. Dans l'hypothèse où tout irait mal et que le fait d'avoir de l'or serait l'ultime solution, ou alors dans l'hypothèse qui est quand même beaucoup plus fréquente, dans laquelle, bien qu'elle soit rare, dans laquelle en gros tout baisse, même s'il n'y a pas de catastrophe biblique, mais que l'or, justement, parce que c'est une de ses fonctions, lui ne baisserait pas, et donc le maintien de l'or permettrait, ou même la hausse de l'or, permettrait de compenser les pertes qu'on a sur l'ensemble des autres actifs. Alors quand on achète de l'or dans cette stratégie-là, il n'est pas nécessaire, il n'est pas essentiel en tout cas de pouvoir se le faire livrer. Parce que ce mécanisme dont je viens de vous parler, enfin ces mécanismes dont je viens de vous parler, pour fonctionner, ne nécessite pas qu'on ait son or à la maison, ou qu'on puisse le revendre. Enfin, il n'est pas indispensable de revendre son or la plupart du temps pour que ce genre de mécanisme fonctionne. Et par conséquent, les deux types d'ETF, c'est-à-dire l'ETF à réplication physique, l'ETF à réplication synthétique et aussi les ETN, eh bien, font l'affaire, ils font le job par rapport à cet objectif. Maintenant, on peut avoir donc une autre raison de détenir de l'or près de soi ou dans des coffres du circuit professionnel en cas de crise, c'est justement dans une situation où l'or serait la réserve de valeur ultime et qu'on voudrait dans ce cas soit se le faire livrer ou être absolument sûr que l'or dans lequel on a investi existe bien et de pouvoir le revendre si cela s'avérait nécessaire. Et dans ce cas-là, on ne va pas s'en remettre à des produits dérivés, on va s'en remettre à quelque chose de beaucoup plus tangible, qui est effectivement l'ETF qui détient directement de l'or, c'est-à-dire de l'ETF à réplication physique. Donc, ben voilà, l'ETF à réplication physique fait parfaitement l'affaire, enfin, joue parfaitement son rôle en tant qu'actif de sécurisation ultime. En réalité, c'est pas si clair que ça. Je ne dis pas que c'est obscur, mais quand on creuse, et pour ça il faut lire les DC, c'est-à-dire il faut lire les notices des ETF, or en l'occurrence, qui vous disent tout sur l'ETF, et notamment qui vous livrent ces mécanismes, et s'agissant d'ETF or, qui vous parlent des stockages. Et quand on lit les DC d'ETF or, eh bien on s'aperçoit que le stockage de l'or va se faire via un dépositaire. Le dépositaire, c'est en général une banque. Exemple de dépositaire, la banque HSBC, qui est bien connue. Bon, autrement dit, ça veut dire que l'or en question n'est pas forcément directement dans les coffres de l'ETF. On comprend qu'il va être dans des coffres sur lesquels l'ETF, bien sûr, a un droit de regard, puisque c'est son or, mais entre l'or et l'ETF, il y a une entité qui est le dépositaire, la banque. Et puis, on s'aperçoit aussi que les dépositaires peuvent eux-mêmes recourir à des sous-dépositaires. Là, ça devient plus compliqué. Et plus c'est compliqué, plus on devine qu'il peut y avoir de failles. D'autant que les sous-dépositaires peuvent aussi, comme d'ailleurs les dépositaires, être dépositaires ou sous-dépositaires pour d'autres ETF.
Donc à la fin, on peut se demander si ce circuit garantit bien que la quantité totale d'or qui est stockée dans les coffres des sous-dépositaires est bien égale à la quantité, enfin, est bien la contre-valeur, représente bien la contre-valeur de la quantité d'or qui a été vendue sous forme de parts d'ETF. Alors en théorie, c'est oui. Maintenant, on ne peut pas en être certain à 100% compte tenu que le système n'est pas vraiment très simple. Alors finalement, du moins c'est mon avis, quand on veut être sûr de pouvoir disposer de notre or en toutes circonstances, particulièrement bien sûr en cas de crise financière ou civile, il faut acheter de l'or physique. C'est-à-dire que, pour résumer, les ETF, y compris les ETF à application physique, c'est très bien pour des stratégies purement financières, donc des stratégies de compensation, de la même manière que quand on achète des actions, on achète aussi des obligations dans un but de compensation. Donc là, ça fait très bien l'affaire, c'est même idéal parce qu'il n'y a pas de manipulation, c'est beaucoup plus simple à acheter et à revendre que de l'or physique. Maintenant, quand on achète de l'or physique dans un but donc de protection ultime, ce qui veut dire qu'il faut à tout prix absolument pouvoir compter sur la fiabilité, la réalité de l'or physique, enfin de notre or, la solution c'est effectivement de l'or physique. Alors acheter de l'or physique, vous voyez on est parti des ETF, maintenant on arrive à l'achat d'or physique, ben, ça pose plusieurs questions, dans le cadre de quelle stratégie. Donc je vais vous indiquer qu'au moins il y a une stratégie pour laquelle il est indispensable, c'est celle de la protection ultime. Bon, maintenant, cette stratégie elle-même peut se décliner, et c'est ce à quoi il faut réfléchir quand on va acheter de l'or. Bien évidemment, ça induit la question de pour quel montant. Quand on veut passer au terrain pratique, ça ce sont les allergies, ça pose la question du type de professionnel auprès duquel on va acheter de l'or, parce que, Vous le verrez si vous creusez le sujet, il y a plusieurs types de professionnels, et puis où, éventuellement, dans quel pays, et également où et comment stocker notre or. Et bien sûr, investir dans l'or, c'est répondre à toutes ces questions. Afin de vous y aider, j'ai créé une formation complète qui vous accompagne de A à Z pour réussir votre investissement dans l'or. Le lien de présentation est dans la partie description sous la vidéo, vous verrez comme d'habitude. Pour garder le contact avec moi, indépendamment des réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Twitter, il y a mon blog et ma newsletter. Vous y trouverez aussi des contenus qui ne sont pas traités dans les vidéos, ce qui n'est pas négligeable. Les liens d'inscription sont dans la partie description, donc sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà investi dans des ETF or, ce que vous en pensez. Je vous laisse partager, liker, bien sûr vous abonner. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour le prochain coup de projecteur. Pour être notifié de sa parution, cliquez sur la cloche à la fin de la vidéo. À bientôt !